Il est 9h15, on est au champ des loulous d'Angel. Et Jacob, il n'y a pas dit là. Génial là. C'est les chasseurs. Jacob, il est un peu bête déjà de base, alors dès qu'il y a un peu de. Dès qu'il y a un peu de mouvement, il est un peu con. Encore plus con. Merci Jacob d'avoir. C'est pas grave, j'avais fait déjà sa queue. Ouais, c'est pas grave. Du coup, là, on va aller au champ, on va voir. Voir comment est Couronne. Je vais peut-être le faire trotter aussi, voir s'il trotte bien. Ouais, le brosser un peu, puis préparer, peut-être lui mettre tout de suite ses chaussures et ses protections. Après, on ira chercher le vent et puis ben on revient. J'ai mis ses chaussures et ses protections déjà, même si c'est vachement en avance. Il a mangé et ben on attend. On attend que ce soit l'heure de partir. On est revenu au champ, donc le vent il est. On voit pas. On a ramené le vent et on attend. Et on attend l'appel de mon ami qui. On doit rejoindre, donc on l'embarquera, puis on ira les rejoindre. J'attends un peu. Et voilà, on est bien. Ouais, on est bien, on est en avance. Enfin, on est en avance. On est à l'heure, en tout cas. Couronne, voilà. Il est prêt. Si. Couverture, on va l'embarquer. Et on va y aller. Au revoir, Nono. C'est le sol qui est perturbé, ici. L'autre grosse douée s'empile. Hyper stressé. Ah, Couronne. Oh, il s'est cogné. Oh non. Il veut tellement un boucan, ce vent. C'est bon, tu bouffes ton foin. Ouais, il va bouffer le foin. Les petits culs. Ah, c'est un gros cul. Tiens, regarde, il y a une bouchée là. Je suis déglingué. Non, tu t'en fous en fait. Il a trop à manger. Ça, il a pas faim. Il est beau. Oui, oui. On y va. Bon pif. J'ai ma groupe personnelle, c'est top. Tu vas dormir dedans. Ah, non, il dort pas dedans. Non, mais pourquoi il y a les sacs de couteau? C'est pas les sacs de couteau, c'est ses affaires. Enfin, pas respecté quoi. Je sais pas s'il attend ou quoi, mais je trouve plus fin comme ça. Mais ça, la mec, on est d'accord. Que je veux pas te vexer, Couronne, mais je crois que tu seras le plus gros là. Sort de l'ordinaire, du coup. Bonjour, donc Simon Menez à 47,30. Simon Menez à 47,30. Allez, Couronne. Si tu décides de manger du foin comme ça, là. Ouais, bah oui. Ah, c'est ce que t'as mis à l'arrière, c'est ce que t'as mis, toi. En fait, celle de l'arrière, c'était les. C'était les premières, en fait. Mais comme en fait, celles-là, elles n'ont pas de scratch derrière, ce qui fait que s'ils se marchent avec les pieds devant, s'ils marchent là, ça les enlève. Et là, ici, il y a une protection en plus. Il fait que même s'il se marche dessus, ouais, ça c'est parfait. Mais c'est un énorme, ça me donne envie. Oh, mais ouais. Non, on va chercher le paddy. Vas-y. Je sais plus ce que je cherche. On voit plus là. Mais tout le monde a commencé T'es à partir. T'es prête? Non. Si, tout va bien. Il est calme, moi aussi. Voilà. Si je peux éviter d'être sur les vidéos avec mon meuf. T'inquiète. Mais non, t'es un bagarre. Papa, tu connais ouais, ça connais. Appelez, on dit pas. On attend les autres. Papa, pas l'enfant. On verra si ça. J'enlèverai. Parce que c'est lourd. Ah oui, c'est lourd aussi. Donc pendant 2 heures, c'est pas la peine non plus. J'ai l'impression d'être pas parasite. Ça va, Couronne. Et Elodie, elle va faire partie de ce prochain groupe avec Arizona de Kerpon. Je suis en train de zoomer sur sa tête. Non, ça allait où? Elle est là. Et non, on est en train de faire pipi, truc. Et en route, c'est parti. Et top départ. Bah non.
Et c'est parti pour cette bonne soirée. Mais qu'est-ce que tu fous? Elle pisse. Elle est déjà prochaine dans le lit. Il refait pipi. Mais ouais. C'est bon, c'est clair. Mais ouais. Ouais, pour le moment, il n'y a pas de soucis. Non, mais il est stressé. Mais alors qu'il y avait...